Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est de bonne humeur, on a la pêche, on a la patate. Pourquoi? Parce que je vais déballer ceci. J'ai reçu ce petit colis que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Par contre c'est pas un truc de fou, je préfère vous prévenir. Bon, par contre ça fait deux jours que j'ai reçu le colis. Mais comme je sais que vous kiffez les unboxings, je me suis dit je vais le déballer devant vous. C'est cool. Bien, alors qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Alors, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'était pas un truc de ouf. Hein. Ça dégage. Et voilà. Alors, dans ce sachet, il y a, j'espère que c'est le bon modèle, une brosse pour aspirateur. Pourquoi? Parce que celle-ci, je l'ai pétée. Tout simplement, quand j'ai fait mes travaux, la brosse est tombée par terre. Et donc, elle s'est littéralement cassée en deux. On a des ergots qui se sont barrés, complètement pétés. Donc, du coup, j'arrive quand même à le tenir emboîté. Mais dès que je peux faire la poussière ou aspirer des poils, c'est vite le bordel. Du coup, j'ai acheté une nouvelle brosse. Et vous allez me dire, Bernard, t'as eu un robot aspirateur il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement, j'ai même fait une vidéo. Par contre, c'est sûr que pour aspirer les poils sur l'arbre à chat de Cookie, le robot il va pas monter dessus. Hein. De même que le canapé, de même que les meubles. Du coup, j'en profite pour faire les petites poussières. Ça prend pas beaucoup de temps parce que l'aspirateur robot fait l'essentiel du ménage dans l'appartement. Ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je crois que je vais faire un petit peu de ménage. Je vais aspirer les poils de l'arbre à chat de Cookie hein, avec ça. Oui, bien sûr. Hein. J'en connais plein qui vont me dire, mais Bernard, comment tu vas pouvoir aspirer là-haut hein? Oui. Parce que là-haut, c'est là-haut. Hein. Regardez plus bas. Allez-y, regardez plus bas. Voilà, vous pouvez y trouver un petit tabouret. Le petit tabouret de la table basse. À faire une cascade, ça va être un truc de malade les gens. Bon déjà je suis assez content, l'embout va parfaitement. La seule chose c'est qu'il est gris. Voilà, le manche était noir à la base. C'est pas bien grave, je préfère ça qu'il soit cassé. On va grimper. Essayez de pas se casser le nez hein. Ce serait con quand même. Voilà, voilà en hauteur. C'est parti pour l'aspiration de tout ça, go. Greens and pinks, it's all the same. I still sail and roll my chains. Take some losses when I play. Charge it to the game. I'm with her, yeah. Bon. Ben voilà ce que je retrouve hein, au niveau des poils de Cookie. Donc la brosse fonctionne parfaitement. Je vais pouvoir aller la nettoyer hein. Voilà, je suis content, je suis refait. Et ça c'est que le haut de l'arbre à chat hein. Je vous laisse imaginer le reste. Bon bah ben, écoutez, je suis parti pour ma session ménage hein. Et attention, il faut toujours aller dans les recoins pour pouvoir y retirer les touffes de poils de Cookie. Là où l'aspirateur ne peut pas passer. Là-dedans. Voilà. Et ça, on en retire des poils. Bon, j'avoue, j'arrête là, c'est dégueulasse. Hop, c'est l'heure de la bouffe. Bien, il doit être 13h15, je pète la dalle, c'est un truc de malade. Parce que je me suis privé de manger à midi. Pourquoi? Parce que je voulais absolument goûter les barres de substitut de repas de Thibaut InShape. Donc là, on a une Crispy Caramel Bar et Protein Bar Cookie and Cream. Donc je pense que je vais m'enfiler les deux. 58 et 55 grammes respectivement pour ces deux barres. Alors, ce que ça va donner. Ça fait quand même grave bizarre parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des 24 heures bouffe. Et ça fait bizarre de me retrouver à table comme ça, face caméra devant vous. On teste les barres de substitut de repas et les protéines bar et c'est en direct et ça tourne. Vous pourrez le retrouver dans mes stories Instagram aussi. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, hein. Le compte il est là. Bien, je vous propose de commencer par la Crispy Caramel Bar, puisque à la base c'est un substitut de repas. On va goûter. Hein. Donc la barre se présente comme ça. On croque dedans. Alors c'est du caramel, hein. C'est sans gluten. Regardez à l'intérieur comment ça fait, on a l'impression de manger des lions. Franchement c'est très très bon. Moi qui kiffe pas énormément le caramel, ça fait vraiment une barre complète. Et je m'attendais vraiment à un truc bien bourratif, hyper sucré, un truc comme ça. Mais non en fait c'est les grains de riz soufflé qui font tout le travail. En fait le chocolat et le miel c'est l'accompagnement quoi. Oh c'est bon hein. J'ai volontairement fait le choix de ne pas manger ce midi pour pouvoir goûter, pour voir si vraiment ça cale. Non, si ça va, c'est quoi le mat sec. Il y a combien de protéines là-dedans? 15 grammes de protéines dans cette barre. Ça, c'est cool. Franchement, la Crispy Caramel Bar, je la valide à fond. Ça déchire sa race. Alors, dans celle-ci, dans la Protein Bar Cookies and Cream, il y a quand même 20 grammes de protéines. Il y a la sac de plus. Alors, ce que ça va donner, par contre, c'est vrai que je commence vraiment à plus avoir faim. Donc, la barre se présente comme ça. On croque dedans. Ça fait super bizarre,
Regardez à l'intérieur. Ça porte bien son nom, hein, Cookies and Cream. On voit les pépites de chocolat. Tu sens qu'avec celle-là, ouais, à la vache. Les ingrédients sont bien tassés, c'est une pâte. Rien à voir avec le riz soufflé, hein. Non, franchement, ça va. Réellement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le côté riz soufflé à l'intérieur. Ouais. Par contre, je suis pas mécontent d'arriver à la fin. Hein. Ouais, ouais. C'est sûr que quand tu pars en voyage que t'as pas prévu à bouffer, tu manges le bar comme ça, t'es colmaté. Hein. Non, ça va, ça passe crème. Par contre, réellement, je suis blindé les gens. J'ai plus faim. C'est un truc de malade. Hein. Je vais voir tout au long du vlog si je tiens jusqu'à ce soir, déjà dans un premier temps. En tout cas, c'est super cool et c'est super bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste des produits de Thibaut InShape dans un vlog. Ça peut être cool, non? Bon les gens, il est 17h21. Et franchement, je peux vous assurer que je crève pas de faim. Les deux barres que j'ai mangées, elles me tiennent l'estomac, c'est un truc de malade. Ce que je ferai, si vous ne le connaissez pas encore, je vous mettrai le lien de la boutique de Thibaut InShape dans la barre de description. Ça vous permettra aussi de découvrir ces barres. Franchement, elles sont tout juste top. Bon, j'en ai profité cet après-midi. J'ai fait mes photos Instagram, j'ai fait de l'édition. Et là, comme vous pouvez le voir, voire même l'entendre, le robot est en train de passer l'aspirateur. C'est pas génial ça, je suis en train de travailler mes photos Instagram et le robot passe l'aspirateur pour moi, c'est franchement tout juste top. Ça vous enlève une de ces épines du pied, c'est un truc de fou. The next day. Bon, je viens de terminer une petite session de vélo au parc de la Tête d'Or. Franchement, c'était bien cool. 5 petits kilomètres parcourus vraiment à l'aise blaise. Pas la peine de forcer non plus. On est là vraiment pour de la détente. C'est cool parce que ça fait du bien de profiter du parc de la Tête d'Or. Cet espace de nature en plein cœur de la ville de Lyon, franchement, c'est très agréable pour les personnes qui habitent en appartement, voire même en ville, de pouvoir profiter de cet écrin de verdure. Franchement, c'est trop bien. Bon, le vélo est là. On va le ranger dans la voiture. Puis go à la maison. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est à la librairie Gilbert Joseph. Pourquoi? Parce que c'est bientôt notre anniversaire avec Lucie et je tenais à lui faire un petit cadeau. Donc du coup, j'ai une petite idée des livres qu'elle voudrait lire prochainement. Donc, on va essayer de trouver ça. Par contre, c'est toujours un casse-tête pour trouver des livres. Hein. Tu sais jamais dans quel rayon chercher, si c'est un policier, un thriller, un roman. C'est la merde. Je crois qu'il va falloir que je demande à vendeur parce que sinon je pense que je vais y passer la journée. Encore une fois, quand on est petit, eh ben, on trouve pas forcément ce qu'on veut. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez les livres ici? J'ai trouvé une vendeuse super sympa qui est partie me les chercher là-haut. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je les trouvais pas. Parce que forcément, quand il y a des articles en hauteur, ils sont nettement moins repérables. Bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai mes livres, on rentre à la maison. Retour à la maison, il est grand temps pour moi d'emballer les cadeaux de Lucie que je vais lui offrir justement pour notre anniversaire de rencontre. Les cadeaux, les voici, les voilà. Elle m'avait déjà parlé de certains livres, donc du coup, j'ai pas eu trop de mal à choisir. La délicatesse du homard, l'ivresse des libellules. Mais par contre, celui-ci, elle m'en a pas parlé. Et donc, ça va lui faire la surprise. Un oiseau de nuit à Buckingham. Donc apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, contée dans The Crown. Et The Crown, c'est une série Netflix que Lucie a pour habitude de regarder. Donc je me suis dit que ce livre me paraissait pas mal. Allez, on emballe tout ça. Tadam! Ça y est, les cadeaux sont emballés, il n'y aura plus qu'à les offrir. J'ai quand même hâte qu'elle découvre le petit livre surprise que j'ai glissé dedans. J'espère vraiment qu'elle sera contente. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!